cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission que vous remet en pile là, émission bien-être et beauté. Émission bien-être et beauté, c'est une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission bien-être et beauté, j'en dis dans chaque semaine, nous toujours côté de bons sujets pour vous, sujets qui intéressent et qui d'actualité surtout. Et semaine ça nous allons parler parce que moi ça, c'est moi cancer du sein. Nous allons parler vraiment toutes messieurs, mesdames avancés pour nous capables de venir des conseils prévention avec un spécialiste que comme tu vas présenter, vous comprenez? C'est avant que me présenter et inviter nous. Hein? On a commencé par la pensée de la semaine. Il n'y a personne qui soit né sur une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent lire le ciel. Et pour nous parler de cancer du sein, nous avons docteur Robert Jean-Louis. Super présent. Ancien professeur. Professeur de l'université, à l'université. Bah, on est tout pays. Et puis docteur qui passait de présentation. Bienvenue dans l'émission Bien-être et Beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'inviter moi. Mm-hmm. Bon, je dis que moi-même, un bon parcours, un petit peu presque normal pour un haïtien médecin. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai une bonne carrière pour moitié enseignant et pour moitié clinicien. Ah, c'est-à-dire que je suis clinicien parce que j'étais à l'hôpital général, plus je travaille en privé, plus maintenant je suis enseignant parce que je suis professeur dans la faculté de médecine et de pharmacie à l'Université d'État. Un professeur dans l'école sage-femme, un professeur dans l'université Notre-Dame. Donc, mon carrière professorale assez intense. Donc, ma cheval entre la clinique et la théorie. Voilà. Oui, ça veut dire, tu sais, ça fait me dire pas présenter. On pas gain assez de grandeur pour me présenter un gros médecin en cours. Merci. Oui, docteur. Et est-ce que ça veut dire que c'est un parcours normal pour tout médecin? Pour les laïcs, parce qu'en général... Est-ce que tout médecin est au professeur, non? Bon, ça qui veut le plus souvent, leur fin carrière, leur fin étude médicale, ou entrer en résidence, ou font en résidence, qui dure 3-4 ans, fonction de résidence, parfois même 5 ans, ou entrer en résidence, leur fin résidence, ou, en général, ou toujours voulez bon pied dans un hôpital d'État. Donc, en général, c'est Justinien au Cap, soit l'hôpital général, soit... Bon, ou essayer de pied dans... Donc, ou essayer de faire un nom. Donc, en général, le nom donc, ou médecin de service à ce moment-là. Donc, ou déjà instructeur ou enseignant ou pour les étudiants. Et puis, maintenant, on montre grade du son mini chef de service. Donc, on était chef de service en maternité à l'hôpital général par deux fois. Voilà. Donc, dernière fois, c'était 2008-2009. Ouais, c'était avant séisme. Hein? OK. Et l'hôpital général, oui. Oui, ça veut dire, mon capteur de là où c'est obstétricien gynécologue. C'est ça? Ça veut dire, est-ce qu'on a été obligé tous les deux ou bien formation, même sélective ou bien c'est qui ça? Non. Normalement, deux spécialités au contraire. C'est-à-dire de souffrir obstétrique seulement ou pas capable de faire gynécologie, même si vous ne pas faire de façon très intensive. Souffrir gynécologie ou pas capable de faire obstétrique. Par exemple, même non grossesse, normalement, trois premiers mois de grossesse, qui normalement, c'est obstétricien qui occupe de grossesse, trois premiers mois de grossesse, en général, c'est trois premiers mois gynécologue. C'est pas obstétricien qui occupe. Okay. Obstétricien rentré, maintenant, le petit monde, comment c'est viable, c'est à ce moment que l'obstétricien rentre en jeu. Donc, deux spécialités ont été ma connaît. Mais pour moi-même, à stade moi et qu'on y est, c'est-à-dire que dans le grand monde, moi, normalement, là, je quitte l'obstétrique en tombé. C'est-à-dire que je ne suis pas fiancée du tout.
Bah ouais, fiancée, pas fait accouchement. Ça, non, vous dire. Non, c'est vrai, m'pas fait m'pas ouais fiancée du tout, m'pas fait accouchement. Donc ça permet moi de dormir tranquille, m'pas dans lever à 1h 3h du matin et m'gain week-end moi tranquille. C'est-à-dire que je fais gynécologie seule, c'est-à-dire tout chez la femme, sauf la grossesse. Tout chez donc, la femme, sauf la grossesse. Donc à ce moment, je suis tranquille. Donc, il n'y a pas de monde qui peut lever, n'importe qui, l'heure, il est bon. OK. Voilà. Ou cherchons la paix d'esprit dans ce sens-là. C'est une paix d'esprit. Oui. Donc, on l'âge pour ça, tout. Oui. Hein? Place aux jeunes maintenant. Place oui, aux place jeunes. Aux plus jeunes. Docteur, mon cap suivi mission, nous n'avons pas les deux seins qui jouent là comme ça. Et puis son gynécologue me prend pour venir parler sujet. Expliquez-moi qui rapport qui gagne accès et puis gynécologue, bon. On pas un choix. Rapport là son rapport qui bon, l'évident tout autant que le pas évident. Normalement, loi pas prendre gynécologie. Normalement, tissu mammaire là fait partie de appareil génital d'âme là, ce sont donc en principe, ou étudier les seins, ou étudier, ou étudier ovaire, ou étudier matrice, ou étudier les seins, ou étudier pathologie mammaire. Hein? Et même ou intervenir sur pathologie mammaire lorsque, en général, lorsque ce n'est pas trop grave. Bon, maintenant, ça c'est la base. C'est la base de la gynécologie. Seins fait partie de la gynécologie. Maintenant, en plus de ça, dans certains services, c'est-à-dire de par le monde, il y a des services. Seins fait partie intégrante de gynécologie. Donc, chirurgien pas occupé seins du tout, c'est gynécologue qui occupe seins. Bon, là, si vous faites spécialité ou dans le service, côté seins fait partie intégrante de gynécologie, ou là, pour n'importe quelle intervention chirurgicale sur les seins, même des cancers avancés, ou qu'à opérer seins. Mais si vous allez dans le service, côté seins, son attribut de la femme, et que ou pas traité cancer du sein en tant que tel, donc, formation pas suffisante. Donc, c'est pour cette raison qu'à ce moment, c'est le chirurgien qui s'occupe du sein. Ça dit, ouais, c'est un oui, mais vous voyez malade dans le chirurgien. Ou bien, dans certains cas, c'est by oncologue, là, c'est-à-dire spécialiste cancer là, qui est malade. Là. Ou même gynécologue ou éthécologue. Ça? Mais ça dépend de formation. Mais choix simplement. Ici, c'est qui ça lié. Choix ici, en général, c'est un pas fait partie de don bagay at large, c'est-à-dire que le gynécologue est occupé sein. Jusqu'à un certain stade, mais dès que son stade cancéreux, en général, il passe en général la main, ben, un chirurgien, même si l'opérer avec chirurgien. C'est-à-dire que l'assistant chirurgien, mais c'est un chirurgien qui prend car en main en général. Du moins, en Haïti, c'est comme ça. Cancer du sein, quelle information nous avons en Haïti qui est disponible? Nous n'avons pas. C'est un cancer qui est très difficile. Difficile en ce sens que parfois, c'est des bails où trouver insignifiant et qui déjà bien avancé. Il y a des masques qui importants au niveau du sein et qui pas cancer du tout. Mais même si le cancer, c'est des cancers qui évoluent à bas bruit. C'est-à-dire que qui pas bail trop manifestation. Alors qu'il y a des petits qui pibidipirèdent. Donc, c'est pour cette raison que très souvent, ou pas rendre compte de problème sein. C'est pour cette raison que pour sein, madame, la femme, là, c'est le premier docteur. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est en première ligne pour diagnostiquer un bail. Parce que une dame, normalement, faut examiner celle tous les mois. C'est-à-dire, si c'est un monde qui règle régulièrement, il a toujours demandé d'examiner celle disons, après règle. C'est-à-dire, avant règle, c'est toujours un petit sensible, douloureux, pointu sensible. Donc, c'est très difficile à examiner parce que après règle c'est beaucoup plus souple donc il est plus facile à examiner donc en général gynécologue en fait pour apprendre ma patiente là qui vient pour examiner tête yo. En général il divise seins en quatre cadrans comme si on propose 11 orange en 4 et ou examiner seins cadran après cadran ça ou examiner cadran après cadran ensuite ou presser sous point TTA pour qu'on ait si bien 5 soit là-dedans, mais si bien l'aide, comme ça. Et puis, on finit l'examen, en général, en examinant les aisselles pour essayer de pas gagner glande. Parce que, on ne doit pas gagner rien sein, du moins à l'examen, et pour jouer nos ganglions, on glande en bas des aisselles, qui gagne droit lui-même, c'est lui-même qui joue pour qu'on baille dans le sein. Donc, tout ça, c'est. Mais c'est pour cette raison qu'on nous dit que c'est dame-là qui est premier médecin. C'est lui-même qui est sentinelle-là. S'il examine celle tous les mois, si, même s'il examine le mal, même s'il examine le mal, la prenne compte que ça fait
6 mois, 8 mois, 1 an, il n'a pas examiné, il n'a pas senti rien. C'est la première fois qu'il sentit un bail, il sentit un doigt, il n'a pas examiné. Donc, il a senti un bail doigt. Ok. Est-ce que ça veut dire tout le monde comme si il gagne des nodules, des anciens, ça t'a veut dire qu'il faut qu'on inquiète? Non, pas, on n'a pas besoin d'inquiéter pour un nodule. Mais, de toute façon, un nodule, c'est pour un tissu mammaire normal, c'est pour un tissu sain normal. Donc, si on a un nodule, il faut obliger à aller au docteur. Tout ça pour dire qu'il y a un cancer et qu'il n'a pas parlé de cancer du sein. Cancer là, d'ailleurs, examen clinique, là, montre qu'il y a une masse. Et tout ça, il montre qu'il y a un petit nodule, un petit boule, ou bien comme ça. Maintenant. Qui fait mal ou bien qui ne fait pas mal? Normalement, cancer pas fait mal en général. D'ailleurs, l'homme qui a une douleur, en général, c'est plutôt bon signe. C'est plus un bail hormonal, un petit peu de perturbation. Mais. Quand ça n'a pas fait mal, son petit boule qui voulait, qui n'a pas fait mal. Et c'est pour cette raison que lors de ce petit boule-là, en général, ou alors un médecin qui fait un examen complet pour connaître si c'est boule, ça seulement gagne, ou bien dans l'autre, c'est un second bagage et tout, qui font un examen complet de l'organisme, qui garde un bas bras pour essayer de gagner des nodules. Et puis maintenant, quand termine l'examen, disons, bon, il faut faire une mammographie en général, ou bien une sonographie. Il faut faire une mammographie. Les gens qui font mammogramme, ils disent ça, il faut faire une sonographie tout. Ou bien si vous faites une sonographie avant, vous faut faire une mammographie. Disons que ces deux examens complémentaires excessivement importants, ils entrent dans l'autre. Mais même si vous suspectez que son cancer, ou pas qu'il y ait un diagnostic définitif. Ce n'est pas un diagnostic définitif. Le diagnostic définitif, c'est en bas microscope. Okay. C'est-à-dire qu'il faut arrêter un peu, ou bien il faut arrêter tout, ou voyer l'examen. OK. Laboratoire. On parle de nodule là, soit ouais. Nodule là, c'est à dire où était lié, où voyez le dans l'examen. Et bien maintenant, c'est pathologiste, autrement dit médecin qui est spécialisé dans l'étude de tissu en bas microscope qui a dit qu'on y a son bagage bénin ou bien son bagage malin. OK. Voilà. Voilà. Ça veut dire c'est pour un bagage au monde quand on est senti et puis après ça dit ouais, même gain cancer non. Du sein. Non, 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 non. C'est un diagnostic. Son diagnostic qui peut passer en même, il passe en bas mais clinicien, donc gynécologue, là, il passe en bas main radiologue, là, qui fait sonographie. Et puis, on y a le passé en bas main pathologiste. Là, vraiment, pour examen. Donc, c'est à ce moment qu'on connaît exactement ce qu'il en est. OK. Ça veut dire, cancer du sein, à quel âge on s'en monde qui a commencé pour dire bon, à quel âge généralement nos jeunes filles qui gagnent un problème? Non, écoute. Normalement, le cancer du sein, c'est un cancer de... En général, c'est pas ou bien en général dans la zone périménopause ou bien ménopause. En général, le cancer du sein. Mais, n'empêche que en médecine, tout le bagage n'est pas blanc net, tout le bagage n'est pas noir net. Oui, voilà. Ça aurait des familles à cancer, en particulier des familles à cancer du sein, qui, le cancer du sein, doit apparaître très jeune, 18, 19, 20 ans, 21 ans. Cancer du sein, alors que moun la pas même gen ti moun rien. Donc, gen des cancers qui se transmettent de mère à fille. Et gen des filles même que pour empêcher le cancer à l'avenir, yo font mammectomie bilatérale. Autrement dit, déjà 20 ans, 22 ans, 23 ans, yo été deux seins. Est-ce que ça résout le problème là? Ça résout le problème là. Parce que font placer. Après, yo pas gen tissu mammaire en quoi du tout. Yo font en plastique, c'est-à-dire yo mette des seins. Bon, les bases. Plastique. Oui. C'est-à-dire des seins à la place. Des prothèses à la place de seins que tu es là déjà. Et puis, ça se passe bien. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut très surveiller. Donc, dans certaines familles, il y a des gens qui disent eh bien, tu es un ils font petit ou deux. C'est-à-dire, depuis 18 ans, ils disent oui, fait petit. Et puis, à 21 ans, ils étaient seins, ils ont fini. Ça, c'est un grand pays. Son bar qui a fait ici, tout, qui fait ici déjà. Bien entendu, tissus, ce sont des tissus que. Ou faire diagnostic là ainsi, souvent vous voyez examiner ailleurs, qui ont même résultat. Voilà. Et puis, qui dit bon, et puis c'est des familles à cancer. Tu vois ça? Il faut. Il y a des gens qui ont dit, mes amis, ils ont un fils sans sein. Non, ils n'ont pas quitté le sans sein. Mais écoute, nous avons. Bon, d'une part, ce n'est pas deux mouns dans le pays. Qui fait chirurgie mammaire esthétique, c'est-à-dire qui pas de tété, qui fait prothèse ou fait pour des tété. Donc ça c'est d'autre part, il y a des gens qui ont des tissus
précancéreux qui mettait des faux seins pour eux, qui gagne des actrices là. Psychologiquement, est-ce que ça pas agi Sophia? Non, pas écoute. Pas quoi là agi Sophia. D'ailleurs, il est très content que lui était parce que a fait cancer sein fini pour lui, hein. Et d'autre part, c'est des seins qui viennent normal comme normal. Très bien, docteur Jean-Louis. Nous prenons pause dans la tournée pour nous parler des facteurs de risque. Qui est-ce qui a fait, qui a favorisé un monde fait cancer du sein plus facilement que l'autre monde? Nous prenons pause dans la tournée. Mes amis, attendez, une bonne nouvelle. Centre Kalouvi, yon l'école cosmétologie, nan niveau international. Dans Centre Kalouvi, l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays à travers les États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passent jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Kaka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis chez vous abraché, yon cassé, boté tout calé, puis chez vous sensible, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séboré, si span gaspillé là, j'en passe par là, passe sans perdre du temps dans Centre Kaka, vin faire examen pour chez vous. Centre Kaka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centre Kaka a un appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par l'Institut américain de tricologie. Centre Kaka l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h à 5h dans Delma 31 rue Jacques Premier. Songez, chaque fois que vous avez un problème cheveux, Centre Kaka c'est la solution. Relez-nous 31 53 55 39 43 06 42 85 Centre Kaka pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après pause là, pas oublier ou suivre émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, sont émission qui supportée par Centre Kaka école de cosmétologie, Centre Kaka et produits pour les cheveux, Centre Kaka centre de diagnostic pour les cheveux. Tout le monde qui est intéressé vient à l'école là, pressez vite parce que 7 novembre, c'est date ouverture pour deuxième promotion de l'école là. Donc, tout le monde qui est intéressé, c'est passé dans Delma 31, rue Jacques 1er, tout prestation camionnette là, ou après local Centre Kaka, flambant neuf, Captain Nous, en salle climatisée, cours audiovisuel, standard international. On attend tout le monde qui est intéressé. Nous ouvrons chaque jour, excepté samedi, même jour férié, nous ouvrons. Donc, on attend nous, pressez vite. Je dis à une émission Bien-être et Beauté, on a parlé de cancer du sein, nous avons avec nous, docteur Jean-Louis. Et dans la première partie à sous-raté, nous te font bon petit parler qui ça cancer du sein yé, et pour qui ça c'est gynécologue en Haïti qui occupe de ça presque. Et pour nous parler qui ça qui a fait, qui ça comme si en termes de facteurs de risque qui a fait un monde, non plusieurs filles qui ça qui a fait l'autre plus qu'a gagné cancer plus qu'on l'autre. Bon, on va me développer ça, on va me faire, on va oublier. Hein? On va oublier. Premièrement, garçon qui a un cancer du sein, tout. Très bien. Bon, ça donc, ça, il ne faut pas comprendre que c'est toujours, c'est essentiellement mesdames qui ont un cancer du sein. Mais comme ça, qui est-ce que garçon a l'oué? Non, garçon a l'oué n'importe qui, ou chirurgien, ou n'importe qui est-ce. Ou un endocrinologue. C'est-à-dire que est-ce que le garçon ne fait pas le patient tout pour l'oué? Si général, normal. Non. Général, non. Mais ce serait bon de le faire, parce que ça arrive. Hein. Okay. Cancer du sein chez les hommes. Okay. Bon. Et puis, danger, c'est que étant donné que c'est des cancers qui prient tard, parce que les gens ne sont pas dans le sein. Il n'y a pas jamais quoi son cancer lié, il comprend que c'est quelque autre chose. Donc, il diagnostique plus tard que chez la femme en général. Exactement. Donc, ça demande des traitements un petit peu plus costauds pour un garçon qui a un cancer du sein. Deuxièmement, nous avons dit que Saint Kounia Kai Fio, c'est ce qui reste actuellement de. Des seins qui ont été gagnés avant. C'est-à-dire que il y a des
milliers d'années avant, fille était marché à quatre pattes. Et elle était normalement, tu as des seins, concours ou animal. C'est-à-dire, tu as deux seins ici, deux seins ici, deux mamelles ici, deux mamelles ici. Et qui te gagne toi-même fini au niveau de l'aisselle. Donc, il y a des femmes qui, actuellement, ils ont des mamelons qui ont des boutons. Donc, regarde, deux mamelons ici, deux mamelons ici. C'est origine, c'est-à-dire que. Mais, chez la plupart des femmes, c'est la grande majorité, c'est en réalité qu'il y a deux seins crétés. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Bien que, dans certaines grossesses, on voit qu'il y a des sous-mamères qui ont développé à l'aisselle. C'est-à-dire, même si c'est un gossi, une masse qui gossit au niveau des aisselles, c'est un tissu mammaire que les gens ont gagné tout. Un sein qu'on appelle le sein surnuméraire. Un dernier grain de sein qui était bon ici. Bon, qui gonflait les mêmes gens que c'est un gonflé. Mais tant que nous-mêmes qui pas habitués à ça, les nous, ça nous, ça effraie. Il n'est pas effrayé, il n'est pas effrayé. Mais il est plus embêtant, les gens. Il n'a pas habillé le gon boule là. Donc, il n'est pas rendu compte de ça tout de suite en général. Donc, deux choses. Donc, cancer chez l'homme et deuxièmement, c'est origine des mamelles des femmes. Donc, maintenant, les femmes restent avec deux mamelles. Maintenant, et prévention. Comment prévenir? Facteur de risque. Ça qui fait mon yo plus gain. Est-ce que. Facteur de risque. Ou tu commences dans la première partie, tu as parlé de hérédité. Comme si... L'hérédité joue un grand rôle. L'hérédité joue un grand rôle. Maintenant, la fréquence des petits nodules au niveau du sein, des nodules bénins, c'est-à-dire des petits fibroadénomes, des fibroadénomes au niveau du sein, c'est-à-dire plus il y a des fibroadénomes au niveau du sein, c'est plus il y a des risques quand même de cancer du sein. Et ce qui rend l'affaire difficile, c'est que les gens qui ont des fibroadénomes, des petits boules au niveau du sein, souvent ils ont tendance à opérer. Donc, ils ont opéré où était une, où était deux, et puis au coude en bas pour voir. Et puis ce qui rend que c'est un vin difficile à examiner après lorsqu'on s'est opéré 3-4 fois déjà ou ton boule boy sinon boule boy l'autre bord ou vin difficile qu'à examiner ça correctement cadre, même mammographie vin difficile à interpréter parce que zone côté où était nodule là vin gen un boule sang là dernier qui vient varier qui vient calcifier et il devient difficile à examiner. Donc, si vous avez évité d'intervention chirurgicale, ou été petit bout de la chasse. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, on peut les ponctionner, ou pas obligé. On pas obligé d'inciser, ou été, ou bien doit ponctionner boulin, aspirer, et puis examiner le laboratoire. Comme ça, ça favorise maintenant le suivi de ces histoires-là. Donc, antécédent de justement de type tumeur sérieux, bénigne, problème héréditaire. Et puis. Est-ce que planning n'a pas joué dans ça? Moun comme si qui toujours sous. Moi, plutôt pas dire rien dans ça. C'est-à-dire que, ou bien des études. Non, ou bien des études. Par exemple, nous savons, c'est sûr, que planning là, li diminuer. Le monde qui prend planning régulier diminue la fréquence cancer de l'ovaire chez les femmes. Bon, ça c'est sûr. Mais au niveau du sein, ou pas qu'à dire dans un sens ou dans l'autre, ou pas qu'à dire planning favorisé et cancer là, ou pas qu'à dire que l'absence de planning est cancer là. Donc c'est difficile à dire. Donc on pas quoi que pour n'insister trop sur des difficultés à l'été, comme si m'tabli un article qui dit que les monde ba petite l'été risque cancer du sein moins. Qui ça veut chercher? Tellement de gens qui accouchent, qualité. Il faut encore une masse pour savoir est-ce que vraiment il y a moins de cancer qu'on l'autre qui n'a pas allaité ou bien qui a arrêté allaitement sous deux mois, qui n'a pas allaité six mois. C'est très difficile à dire. Disons que de toute façon, l'allaitement était quelque chose de tout à fait naturel. Il y a tendance à quoi? Que l'allaitement a protégé les gens qui ont allaité régulièrement pendant 6, 7 mois. Il y a des gens qui ont allaité pendant un an, deux ans. Donc, d'accord, tu as protégé. Même pas voulu affirmer ça. Pas voulu affirmer ça. Voilà.
Ça veut dire, qu'on y a là, par exemple, ou dit de y a l'hérédité comme facteur de risque, monde qui gagne des nodules tout le temps, qui sont enceintes, y a opéré, comme si ça vient une difficulté pour apprécier cadran, pour pas capable faire évolution malade là bien. Et pour bon, ou dit ou pas trop ca opino sur planine. Pas une cigarette tout, cigarette. Est-ce que cigarette va favoriser le cancer? Donc mais son toxine, ça veut dire puisque il entre dans l'organisme là. Bon, cigarette à tout le monde connaît que là il y a juste au système là. Que nous déconseiller dans l'émission ça. Que le bail certain, nous sûr que le bail certain cancer à l'origine de certains cancers. Bon, on affirme poumon. ORL, ORL poumon. Bon, c'est sûr. Mais on y a poussé, est-ce qu'on a dit c'est c'est difficile. C'est difficile. En tout cas, parce que étudier au fait, étude à démontrer étude. Voilà, il y a des études qui fait, il y a des études qui à l'encontre de sa première étude qui était faite. Donc c'est pas facile à dire. Bon, de toute façon, comme cigarette, nous connaît notre nocif pour la santé, même si c'est pas pour cancer du sein. Oui, c'est certain. N'a déconseillé nos émissions bien-être. C'est certain. Nous sommes d'accord, madame bien-être. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ou toujours bay mon nom, on y aurait le madame bien-être. Bon, c'est sûr. Bon, son bon nom, ça veut dire c'est pour me battre pour bien-être là moi-même. Ou déjà gagné. Merci. Oui, docteur, quand y a dans hérédité, on ne va pas faire sous ça. Vous comprenez, on ne va pas faire sous ça. Nous pas la science pas agir sur l'hérédité. Ce n'est de le savoir. Oui. Le savoir. Seulement ça. Ah oui, mais sous qu'on est ni ou qu'agir. Comme les bon ok si vous êtes comparé on monte comme parent qui te fait cancer du sein pas qu'à éviter ça seulement j'en ai dit on n'a pas c'est ça une prévention radicale retirer sein etc. Autre prévention non c'est un facteur de risque n'a prévention qui ça pour monde fait s'il pas guetant gain cancer qui ça pour le faire comme des bagages pratiques pour l'éviter arriver dans phase cancer examiner sein régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire que ça vient nous une habitude, un réflexe pour lui. Ou t'es précisé, c'est que après règle. L'entrée en bas douche après règle, l'entrée en bas douche, on examine les seins, on sait après l'autre. Ça pas même prend 5 minutes pour examiner les deux seins en entier. Et puis, bon, tranquille pour moi, le mois prochain, le fait même bail là. Donc, c'est la chose la plus importante. C'est ça seulement. C'est ça seulement. Bien entendu, lui fait ça. L'alcaï gynécologue, lui, normalement, tous les 6 mois, gynécologue va examiner le bon pal tout, même s'il pas senti un gynécologue va examiner le tout. Et puis maintenant, à partir d'un certain âge, on lui dit 30 ans, 35 ans, bon, de faire, même s'il n'y a rien jusqu'à présent, de rentrer dans le cycle de mammographie. Mammographie, à ce moment-ci, première mammographie anormale, il doit faire une chaque 3 ans, tu vois. Pourvu qu'il n'y ait rien dans l'intervalle. Mammographie, j'ai une question pour vous. Parce que généralement, quand on dit pour faire mammographie, il faut faire arriver dans 40 ans. Mais même à l'école, tout au bas, il y a du bon, on ne fait pas mammographie pour faire en dessous de ça, sauf extrême besoin. Et je me suis comme si il y a des cas qui en bas, dans la zone 30 ans, qui est très avancé. Qui ça la science? Non, c'est ça. Au monde. Qui yo pas jeune jeune rien la cali li pas jeune rien la cali gynécologue li pas jeune rien la cali donc ou bien gynécologue ou bien médecin de famille li pas jeune rien la cali parce que j'ai pas nécessairement mon gynécologue là quand on voit un médecin de famille qui formé pour ça donc là le médecin de famille qui pas jeune rien bon c'est pas la peine que là le fait une mammographie à l'âge de 30 ans maintenant ça dépend de côtoyer je pense que l'idéal serait de commencer même s'il n'y a rien, une mammographie à l'âge de 35 ans, c'est 35-36 ans. Maintenant, si mammographie est normale, c'est dans 3 ans, oui, ça vaut. C'est-à-dire que si vous faites la 36 ans, c'est à 39 ans pour le faire l'autre. Là. C'est 39 ans normal, c'est à 42 ans pour le faire. Donc, c'est pour mammographie pour le faire chaque année. Mais dans l'intervalle, il faut que les gens continuent à examiner la tête et que les médecins de famille continuent à examiner le tout de temps en temps, tous les 6 mois au niveau des seins. Donc, à ce moment, tout le monde content. OK. C'est parce que le cancer, on t'a dit, il n'y a pas pris le temps, il paraît, qui fait que, comme si généralement, les gens deviennent l'hôpital, ils sont déjà dans une phase qui est très avancée, avec ignorance ou bien négligence qu'ils n'ont pas jamais examiné, faire autopalpation des seins. Oui, je pense que c'est ça. C'est parce que c'est ça. Et bon, il y a toujours un problème. Bon problème financier tout
Parce que moun la disons que yo wè que le bon bagay. C'est-à-dire qu'au niveau du sein, l'examiner li bon bagay, là le médecin ni, médecin wè bon bagay. Si médecin ka fè ou bien le voye le ka gynécologue ou bien ka chirurgien. Yo wè que normalement faut wè tel pour ta biopsie. On y a son question de l'argent. Comme on a dit un ancien chef de d'État, on a fait de tchotcho. Bon, il faut payer ça l'opération, même si c'est son monde qui entre pour 2 heures de temps. Faut payer ça l'opération, faut payer matériel anesthésique, faut payer un petit plateau d'intervention chirurgicale. Pour faire ponction. Non, pas pour être lié. Ponction, on doit faire dans le cabinet. Ou bien il y a des pathologistes qui connent faire, qui apprennent faire ça, ou vous voyez qu'un pathologiste qui fait ça dans la clinique, et puis qui examine là même. Voilà. Sans question de tchotcho. Souvent, ce qui fait que les gens les traînent avant que ils font acte positif pour lui. L'autre bagaille encore qui sont barrières, parce que depuis mon grand problème, ils disent intervention, ils disent opération. C'était tout le monde qui est chaud, tout le monde peur d'opérer parce que tellement comme c'est traditionnellement, il ne faut pas dire ça, on ne rentre pas sorti. Vous comprenez? Tabou. Non, écoute, Kounia. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, comme là, c'est barrière, ça, vous avez. Kounia, risque vraiment minime. Dans le temps où tu as des. Bon, l'homme dit dans le temps, ça ne fait pas longtemps, non? Même, bon, moi-même, d'une quarantaine d'années. Pas de pile médecin anesthésique. Pas de pile médecin anesthésique. Et puis, produit anesthésique, de pas très tellement fin. On y a eu de bons produits anesthésiques. Ensuite, si pas qu'à faire anesthésie ou même, ou plutôt présence au médecin anesthésique, ou médecin anesthésique, même s'il vient pour un cas de qui vient de l'abaye malade ou anesthésie. Donc, tout se passe dans le meilleur des cas. Et en général, ce sont des interventions qui se font en externe. C'est-à-dire que malade vini, yowel dans l'hôpital là, ils font 2 heures de temps et puis après le talon qui quitte dans pied l'entrée la caille. Donc ça se passe en outpatient. C'est-à-dire que malade rentrer, on entre, yo fait ça pour faire puis là la caille. Donc ça coûte moins cher, mais quand même il faut quand même débourser quand même un petit quelque chose. Il faut quand même débourser. Mais j'aime dire là il y a des monde, c'est pas barrière comme là gagne. Barrière que vous avez, hein, c'est barrière. Oui, mes amis, je vais l'opérer. Vous avez peur d'opération. Ce n'est pas celle d'opération. Ça. Depuis que vous avez dit que vous allez l'opérer, vous avez opération pas un jouet, vous avez peur d'intervention. C'est bon, nous-mêmes qui pour gagner des gens formés, qui pour rassurer les gens, gens pour nous balle nouvelle là, et puis comme si pour expliquer son intervention, j'en redis, ou pas prêt en pile dans salle d'opération, ou bien des équipes qui formée, qui ont expérience. Vous comprenez qu'on s'apprend pour faire 40 selling pour patients pour vous. Et puis qu'on est à la même pour assurer, pour les clients, ils ont assurance que tout va bien passer. Et puis, on peut rentrer la route ou en forme. Oui, mais c'est ce qui se passe en général. L'offre, on tumorectomie. Où était tumeur seulement? Bon. Il y a des tumeurs qui sont évidentes, qui en surface, qu'on voit facilement, donc on fait une anesthésie locale, ou est-elle, ou refermer même. Mais il y a des tumeurs qui sont plus profondément dans le sein. Côté, sous un produit anesthésique local dans la zone, là, ou on doit nayer la tumeur. C'est-à-dire que l'offre finit d'injecter le produit, liquide ou injecté, il est pratiquement autour de Maslan et pour appeler ces joignes après ou pas pour t'y joindre parce que mais vous faites donc, tout général dans ce cas-là plutôt faire soit anesthésie générale. Donc à ce moment on fait lui mais soit anesthésique dure un quart d'heure. Donc faut mon yo connecte c'est-à-dire anesthésie en fin fait tu recoudes les puis madame d'entre la caille après. Très bien. N'a pas dernier pause la émission hein. N'a tourné pour nous parler de conseils. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Akalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centre Akal l'école cosmétologie, estage pratique nan pays à tant États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout konsalye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié nan Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même nan Delma 31
Rijac 1er à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Caca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis chez vous abraché, vous cassez, votre tête calé, puis chez vous sensible, ou gain cap, ou gain psoriasis, ou gain séboré, si span gaspiller là, j'en passe par là, passer sans perdre temps dans Centre Caca, vienne faire examen pour cheveux. Centre Caca, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centre Caca gain appareil dernier cri, l'a dirigé par un trichologiste certifié par Institut américain de trichologie. Centre Caca l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h AM à 5h PM dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'un problème cheveux, Centre Caca c'est solution. Relez nous 31 53 55 39 43 06 42 85. Centre Caca pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après présent, on va suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Vous êtes capable de jouer l'émission tout disponible sur YouTube, vous pouvez taper émission Bien-être et Beauté. Vous pouvez jouer toute émission qui passe déjà et émission ça, vous pouvez jouer tout les disponibles, vous pouvez choisir le sujet que, qui intéresse vous là pour capable suivre l'émission Bien-être et Beauté. Nous avons une page émission sur Facebook, émission Bien-être et Beauté, vous pouvez toute information, les intervenants. Et sujet que nous discutons, laissez vous faire choix ou à regarder sur YouTube. Et annonce pour Centre Caca, c'était que 19 novembre, dans le local Centre Caca, on a fait un foire, qui est le foire du bien-être. On a invité tout le monde, tout le grand public, la presse, tout le monde en particulier. Ils sont capables de venir dans le foire. Ça y a joué en pile article. Et ils sont capables de joindre moi là, tout, à bien l'autre monde pour faire conférence, débat sur le sujet vraiment qui intéresse nous par rapport à bien-être. N'a pas monde qui parle de tabou yo qui rapporte tabou gain à bien-être non etc. Moi ma place sous cheveux comme trichologiste certifié pour nous pour capable répondre quelques questions sur cheveux m'a bon l'autre monde sous bien-être que m'ba annoncer nous donc 19 novembre yon dimanche la pied tout monde invité fi kon garçon vini ou je nous article quand même que au besoin et des conseils pour capable joindre bien-être que en pile dans nous a chercher. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est supportée par Centre Caca l'école cosmétologie, on l'école de standard international, salle climatisée, spacieuse et la couille a fait sous audiovisuel. Donc, ou même qui intéressé venir apprendre cosmétologie non haut niveau, et ben aidez-nous lever niveau cosmétologie à venir dans Centre Caca école cosmétologie et puis garder sous page et l'école là qui c'est Centre Caca Institut de Beauté. Pour joindre comment nous organiser on série de bagages et puis questions que vous capable poser nous tout capable reler dans 31 53 55 39 dans 43 06 42 85 ou bien passer dans local nous dans Delma 31 rue Jacques 1er tout prestation camionnette là. Je dis à docteur nous t'a parlé de n'a parlé de cancer du sein. Dans deux premières parties émission nous parler en pile de prévention de facteurs de risque. Mais il y a des choses comme si nous pas parler. C'est est-ce que on fille qui forme bonnet ça relève ménage là, il a un impact sur cancer du sein. Est-ce que réglage selon l'âge venir, est-ce que ça a un rapport à cancer du sein? Bon. C'est-à-dire que lorsque ovaire devient fonctionnel, autrement dit, on puberté précoce, disons, puberté précoce nous ca considérer qu'on a puberté 9 ans. C'est ça qu'à la mode qu'on y a. Hein? 8 ans, 9 ans, 10 ans. 10 ans, 10 ans, jeune quand même. Bien jeune. Bon, puberté précoce et ménopause tardive. C'est-à-dire que un monde qui était normalement, l'âge ménopause normal, c'est à peu près 50 ans. En Haïti, il y a 53, 54 ans. Il y a des monde qui était. Bon, il y a des monde qui dépassait ça, mais en général, c'est soit les ménopause et puberté précoce, ménopause tardive. Autrement dit, c'est un monde qui fait. Au mieux, tu as fait de 15 ans à 50 ans, au lieu de faire 35 ans, il y a une règle, un cycle menstruel. C'est le monde qui a fait 60 ans. Okay. Donc, ces gens-là sont un petit peu plus à risque qu'une autre. Parce que y a une sécrétion hormonale qui durait plus la caillou, passé au monde qui est réglé tardivement.
17-18 ans, c'est là ça règle, vous venez pour bien, papa. Et puis, vini gon puberté et gon ménopause précoce, qui a dit qu'à 45 ans, il y aurait été. Donc, période de vie hormonale, qui coûte parce que les autres, bon, ça a rien de droit que doit jouer. Parce que le cancer du sein en particulier, il est très en relation avec la sécrétion ovarienne. Donc, il y a une série de cancers du sein qui, lorsqu'on opère, lorsqu'on fait une analyse génétique de type de cancer, souvent dans un deuxième temps, bien qu'on finisse été sain, dans un deuxième temps, on opère au niveau des ovaires, ou était ovaire pour supprimer ces questions hormonales. Donc, c'est des gens qui, normalement, ils n'ont pas été sain encore, ils été sain, et ils ont castré. Donc, à ce moment, les chances, les évolutions positive, c'est-à-dire de qui vont dans le bon sens, meilleur que si on t'a quitté au verre. Bon, ça, c'est des bon, non, il faut savoir, non, oui, c'est ça. C'est une information pour mon yopon, parce que généralement, mon yopon fait intervention, il peut opérer, mais dans plusieurs émissions que je fais, là, soit avec chirurgien, donc avec vous même tout, il a montré que il y a quelques capitaux opérés, parce qu'on va gagner sous le temps et cancer les monde n'a pas aller cancer pas rien mais c'est les monde n'a pas aller dans cancer comme si ballant vraiment triste comme si des odeurs bah comme ça pas gain monde qui t'a rien mais mourir dans tableau comme ça donc c'est prévention pour mon fait normalement ça veut dire aujourd'hui là c'est et ménopause là voilà c'est ça c'est période de passé avec une sécrétion hormonale. Non, mais il y a des gens, tout docteur, ça répond à quelqu'un comme si qui prend le faire ménopause ou bien faire ménopause, il prend des hormones pour toujours continuer à guérir. Ah bon, là, bon, alors là, c'est là comme pas, moi-même. Parce que ménopause, là, au père boucher. Il y a dit, mon petit Jean, mon conservateur, bon. Moi-même, très clair en général sur ça. C'est-à-dire que, ou bien des tissus qui ont duré de vie de X années. Hein? Ok. À un certain moment, Abraham dit c'est assez. Ok. Donc, au vérité, il suspend le travail. Ce qui fait que l'hypophyse a une série de sécrétions hormonales qui a une bouffée de chaleur. Mais, au vérité, il suspend le travail. Ok. Donc, si au vérité, il suspend le travail, il n'y a pas de sécrétion hormonale encore. Donc, normalement, régularité, endomètre, endomatrice, atrophié, sein autour. Pas une sécrétion hormonale qui vient de joindre. Mais il y a des femmes qui veulent rester. Bon, alors c'est dans le bien-être, là, peut-être, ça rentre. Qui veulent rester. Femmes. C'est pas femmes. Femmes, non, je ne suis pas d'accord avec l'expression ça. Qui veulent rester éternellement jeunes. Donc, leur été, ils finissent passer. Ils finissent passer période où ils ont fait ménopause. Où ils continuent à prendre des hormones féminines. C'est comme si c'est ouvert pour continuer le travail. Pour qu'on y ait, c'est ou commencer sensible. Il y a une peau qui vient beaucoup plus lisse, qui passe sèche encore. Il y a une série de bas, il n'y a pas de bouffée de chaleur encore. Autrement dit, elles sont plus confortables. Bon. Et elles sont vues avec les yeux de l'autre en face de façon différente. Donc, bien aimer un coup d'œil, ça. Mais c'est quand même pas nécessaire parce que ça m'a quand même. Faire des examens très poussés avant de prescrire ces hormones. Il faut être sûr qu'on y a qu'au niveau des seins, il n'y a rien du tout. Et puis qu'on y a, au bout de 6 mois, 1 an, est-ce qu'on a su ou pas qu'on a su? Donc il faut faire des examens très fréquents, des mammos très fréquents. Qu'on y a, hormones, ça le recevoir. Après, là, j'y suis endomètre dans tout, qu'on y a endomètre dans continuer de travailler. Il doit y avoir un cancer de l'endomètre tout, qui est évitable. Donc, on parle de examens qui très poussé de évaluation que chaque souvent il faudrait faire mais des examens mais mon qui problème dit pas bon ça pas rien bon mon problème à faire mais qu'on a besoin un rapport qui gagne à cancer mais oui dans quoi la fait examen c'est sûr la fait examen tous les 6 mois mais le cancer apparaît sous lui là dans l'intervalle des 6 mois là et bien le cancer a tout paraît donc qui aurait pu être évité sans ces médicaments. Et les gens qui arrêtent avant le doc. Par exemple, ils arrêtent, non? Les gens pour une raison médicale, comme si obligé de faire hystérectomie totale. Est-ce que ça a un aspect tout sur le cancer du sein?
Non, pas quoi ils ont un impact sur le Conseil d'État. Au moment que ils ont fait nous rester, ils ont quitté OVR, mais c'est OVR tout bas, c'est pas matrice là. Nous gardons les gens retirés tout. Ah non, ça c'est l'autre bagage. C'est-à-dire que c'est qu'à une demoiselle parce qu'il y a des cancers de l'OVR qui déjà 17-18 ans qui est déjà là. Donc souvent on est obligé de faire une hystérectomie totale ou être OVR et tout. Donc à ce moment ça va influencer, mais en général, il a plus influencé dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de sécrétion hormonale à atteindre le tissu mammaire. Okay? Donc, oui. Conseil pratique. Qui ça pour moun fait même après palpation? Conseil cancer du sein. Ça pour moun yo fait. On nous prend conseil secondaire, nous te prend prévention secondaire, primaire déjà. Avec dit c'est autopalpation, ouais médecin chaque 6 mois et puis automatiquement quand on bagaille, courir à venir un médecin pour évaluer. Quand il y a un monde qui a un cancer du sein, qui a diagnostiqué qu'il a un cancer du sein, qui ça pour le faire? Qui ça le café? Bon, écoute. Normalement, il faut que le monde soit pris en charge par une équipe, on t'a dit pluridisciplinaire. Oui. OK. Parce que à partir du moment où on cancer du sein diagnostiqué, effectivement l'acte chirurgical reste l'acte majeur, mais à côté de ça, on gagne des médicaments pour prendre des médicaments anti-cancer, des chimio, pour prendre ou gagne radio cobaltothérapie, pour faire ou gagne. Donc c'est pas un métier à dire que chirurgien Il était correctement, bien que quelqu'un doit bailler des gros bras à l'opération, des dames qui étaient avec des 6 et 5 gauches, là, ou étaient avec un curage axillaire, quelqu'un doit être avec bras qui est très enflé, tu vois, et très désagréable. Bon, mais bien que l'intervention passait bien, mais ça, c'est des complications de l'intervention. Mais il faut donner, justement, des médicaments anticancéreux, et il faut donner la chimio, il faut donner. Donc, c'est plusieurs spécialistes qui pour mettre ensemble. Moi-même, en général, bien aimé que les chirurgiens là, mais les oncologues qui ont tout, les gens qui occupent de tumeurs d'une façon générale, il y a des spécialistes maintenant de chimio, il y a des spécialistes de radio. Donc, c'est eux-mêmes qui pour mettre ensemble en poule pour dire voilà, mes conduites. Mes stades cancer là, avec stade ça. Est-ce que tout cancer du sein, c'est une intervention inévitable? Est-ce qu'on opère tout? Non, il y a des services où pour le même stade, il y a des gens qui font essentiellement de la radiothérapie, qui pas fait chirurgie. Il y a des gens qui font essentiellement de la chimiothérapie, associée peut-être à la radiothérapie, en laissant le sein, en opérant par le sein. Tu vois? Okay. Donc, ça dépend des services. Okay. Et tous les résultats se valent plus ou moins. Donc ça dépend beaucoup de la personne qui a un cancer là, qui dit ça le tapito. Parce que il y a des gens qui vraiment ou étaient sain pour eux sont catastrophes. Ouais. Donc ils parlent de dépression excessivement. Il y en a d'autres que pas qu'à dire ça va faire rien, mais qui se laissent plus ou moins plus facilement convaincre. Voilà. Donc ça dépend. C'est pour cette raison qu'il faut plusieurs spécialistes pour eux en commun, ils programmer. Protocole. Vous informez plus ou moins de l'alimentation gagnée dans le cancer? Ou plus ou moins gagnée? Moi, ça me quitte pour mon. Qui ont les balles là? Nutritionniste ou bien les bonnes. Qui ont les associations balles encore? Yes. Et non. Non, qui ça? Association, non, association là. Là. Businessman, Santraka? Santraka. C'est bien, me quitte ça pour mon ça. Non, je ne vais pas entrer dans l'alimentation. En alimentation, c'est sous bas qui vient en pile bas, en pile entrant, en pile sortant là-dedans. Est-ce que c'est ça? Bah, la compliquée, voilà. Là, légumes jaunes. Non, je ne m'en sors pas, moi-même personnellement. Donc, je ne vais pas faire un conseil particulier. Je dis seulement manger correctement. Hein? Manger suffisamment de légumes, manger suffisamment de viande ou de poisson. Hein? Non, pas faire excès, par exemple, dans l'alcool, pas faire excès dans sucre. Non, pas quand c'est. Je me dis que je ne prends pas l'alcool du tout, pas prendre cigarette du tout, et puis manger fouille avec légumes. Vous comprenez ça, je me dis, non, c'est déjà éliminer viande, l'étape tout bon. Je ne comprends pas ce que je dis. Vous comprenez? Non, même. Vous ne faites pas cancer, vous dites,
Mais, pas limité, ou pas qu'on est limité. Écoute. Je ne dis pas. Et ça fait qu'il y a contre-indiqué. Je ne dis pas. 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 Non, mon grand doit boire une ou deux verres de vin dans la journée, un samedi. Oh. Mais pour qui pas? Ok, bon, on va pas avoir. Non, pas entrer avec moi dans Paris. On va pas entrer ensemble avant parce que vraiment, ce sont des toxines que nous discutons déjà avec des spécialistes qui démontent, montrent qu'ils n'ont pas bon pour c'est l'abus des toxines. C'est l'abus des toxines qui tue. Bon. Si nous avons un temps, nous même raconter un cas. Écoute, un bon cas, c'est comme un monokai, bon vivant, il aurait été, madame Lidl, pour la faire examen, ou pas qu'arrêter, ou là, ou bien, chaque samedi, chaque vendredi, et pour pas. Donc, madame l'a maintenant fini, maintenant, car un docteur. Docteur, c'était au cas, c'était sous François. Il n'y a pas qu'à faire trop examen. Seulement, il dit, monsieur, ton sucre n'est pas fini trop bon. Cholestérol, il n'y a pas de problème. Et puis, tension pas bon, électrocardiogramme. Bon. Donc, madame a dit, monsieur, avec Baïsa, Port-au-Prince pour entrer. L'entrée Port-au-Prince, on fait bilan. Sucre, monsieur, pas bon. Cholestérol, il n'est pas bon. Examen rénal, il n'est pas bon. Quel même brabaye de ti bagay drôle. Tension, monsieur, pas bon. Donc, je dis, monsieur, Kounia, affaire bouée a fini. Affaire cigarette la fini. Affaire ti femme la fini. Ou connaît que moun la mouri 3 semaines après? Ah, ok. Ça veut dire moun yo tue. Parce que, ou casse, ça veut dire que nèg ou casse bral net. Il peut en virer encore. Alors que le type était très bien. Non, c'est me dit que il faut pas exagérer dans l'autre sens. C'est-à-dire que moun là, que le bon verre du vin, que le bon petit verre homme là aujourd'hui et puis c'est dans une semaine il parle mon l'autre catastrophe que dans ça. Ce ne sont pas des toxines, c'est pas nécessairement des toxines. Bon, m'a débattre ça avant parce que ça cigarette là m'a couru d'elle pour peut-être pas même quand même. Bon, ça. Émission, ça c'est revenu dans bout le docteur oui. Jean-Louis. C'est ton plaisir pour nous te gagner une émission. Second dernier mot, c'est le moment pour dire. Oh. Et puis, second dernier mot. Pour demain, ça m'a dit que cancer des seins et cancer du col de la matrice, c'est cancer qui est plus fréquent en Haïti. Cancer du col, là, son bail qui est facile à mettre en évidence. Cancer du sein, plus difficile. Pour cette raison, si nous appuyons pour nous bailler, si pour insister sur nous bailler, c'est cancer du sein pour nous essayer de dépister le plus tôt possible. Parce que plus diagnostic en précoce, c'est plus solution évidente. Okay? Un plaisir, docteur Jean-Louis. Le plaisir a été le mien aussi, chère madame. D'accord. Et nous avons suivi l'émission Bien-être et Beauté. Et une émission qui passait chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM. Chaque mardi à 8h AM. Pas oublier nous n'a pas rappelé rendez-vous pour vous, c'est que ouverture l'école cosmétologie Centre Aka c'est 7 novembre, 19 novembre, nous gain foire du bien-être, n'a attend tout le monde, artisans ont déjà informé et puis nous inviter tout le monde net venir dans foire du bien-être. Fit en pour garçon, petit monde, grand monde et qui ton surprise pour monde qui va venir faire tes jours en surprise. M'a dit qui ça lié, m'a dit spécial, même dit en surprise. Parce que là, c'est ça. L'autre bail qu'on a rappelé, c'est que numéro Centre Aka 31 53 55 39 43 06 42 85, c'est numéro pour demander des informations sous Centre Aka, sous l'école là, sous produit. C'est information ça yo, s'il vous plaît, m'tarrêmez nous voyez demander information sous numéro ça, pas pour autre chose. Pour sous numéro ça seulement, sous un bail personnel parce que pas nécessairement que c'est moi qui gagne téléphone Centre Aka là même, c'est un staff que nous y est. Si vous avez personnellement pour moi, vous avez l'aime son numéro personnellement. Donc, ça veut dire que c'est un ami mouillé, ou capable de l'aime. Donc, vous avez l'aime son numéro personnellement. Mais le numéro Centre Aka, c'est pour business, Centre Aka, rapport, l'école, produit, et puis Centre Aka pour toute information que vous avez besoin sous Centre même. C'était avec nous Léonie Desroses, infirmière, cosmétologue, tricologiste, qui a dit nous
Les remènons en pile. À bientôt. Cheveux ou ap cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé.